Allez, c'est parti. Mec, ça fait tellement la nostalgie, c'est fou. Si tu mets un strike, je pars de cette émission. Eh oui, monsieur, allez, ça dégage, à toi. C'est ce que je t'ai aidé, ça. C'est un sans faute qui est proposé par le joueur français. Mais mec, comment mais c'est improbable. Messieurs, dames, bonsoir, bienvenue sur la GTV. On se retrouve pour un épisode des jeux d'enfance. Attendez, attendez, 5 minutes. Regardez ici, ça c'est le pourcentage de gens qui ne sont pas abonnés à la chaîne mais qui regardent ce contenu. Bien évidemment, abonnez-vous et laissez un petit pouce bleu pour soutenir la série. Aujourd'hui, on accueille un invité d'exception. Il a commencé YouTube avec le gaming. Il adore les mangas, le Japon. Il y a moyen de tester des jeux plutôt sympas aujourd'hui. Messieurs, dames, on accueille Sora. C'est pour ici le tournage du contenu. Exactement, le tournage du contenu, c'est ici. Le bienvenue. Tournage du contenu, c'est là. Bienvenue dans le petit studio. Mais c'est super beau. C'est... Alors, en plus, je me suis rien spoilé. Tu l'avais pas encore vu? Non, je voulais tout regarder, vraiment tout découvrir. Ça veut dire que tu ne regardes pas les jeux d'enfance. Si, j'ai cliqué, j'ai activé la cloche et tout, j'ai mis des pouces bleus, t'inquiète. On va aller hors cadre et on va parler de ça. Ah putain, merde, j'ai pas. Suivez-moi de suite. Casser la gueule, merde. Non mais merci de l'invitation, c'est incroyable, voilà. Merci beaucoup. Donc tu peux regarder autour de toi. Ouais, du coup alors je peux explorer un petit peu du coup. T'as pas mal de trucs, tu vois, regarde au-dessus, là on est plus sur une génération qu'on a pas mis. On est sur du 64. J'avoue que là j'étais peut-être pas né. Ah ouais? T'as quel âge? J'ai Bah t'étais né. En vrai c'était quelle année Nintendo 64? Enfin, je pense qu'elle a duré jusqu'à les années 2000, tu vois. Donc bah t'étais tout petit quoi. J'avais 5 ans. Oui, j'avais 5 ans, ça joue. J'avais la Game Boy Color moi. Mario Kart. J'avais la Game Boy Color. Alors je peux te proposer une petite Game Boy Advance ici. Alors j'ai tout connu. Game Boy Color, Game Boy Advance, Game Boy Advance SP. Voilà, c'était... Toi t'es un pro Nintendo un peu? Bah pas forcément. Mais mec, je me rappelle trop des moments où tu sais t'avais... Enfin t'as sûrement connu ces trucs où tu branches, t'as la loupe. Tout le monde me parle de ça à chaque fois. T'aimes la petite loupe avec la lampe. Et genre t'étais dans la voiture et en fait t'avais les lampadaires et t'avais pas de lumière, il y avait des reflets et tout, c'était affreux. Mec c'est ouf, c'est incroyable, tous les Pokémon et tout là-dessus. Voilà. Et je vois que t'as plein de petites cubes et tout avec les différentes consoles. Voilà la consoles. Petite structure de l'extrême, donc tu as toutes les consoles un petit peu de cette génération là avec lesquelles moi, on a j'ai connu. J'ai connu la Wii, j'ai connu la PlayStation 1 mais assez vite. Ouais. PS2, beaucoup. J'ai poncé la PS2. La PS3 pas tant que ça, parce que j'étais sur l'Xbox 360. Donc j'ai connu l'Xbox. Xbox. Je suis plutôt Xbox. Bravo, enchanté, merci. Enchanté, monsieur. Ça va? Après, j'aime beaucoup PlayStation. Super. Non, y a pas de soucis. Ouais. Les gars, tranquille. Et ouais, PlayStation 1, j'ai connu aussi. PS2, je l'ai beaucoup poncé aussi. Ouais, tout PS2, Shadow of Colossus, Jack and Dexter. Xbox, j'ai pas connu. T'as jamais j'ai fait? J'ai jamais connu la première Xbox. T'as jamais joué au premier Halo, des trucs comme ça? Ah non. Qu'on a fait dans le premier épisode de GTV, si je puis me permettre. Écoute, j'irai voir. Trop bien. J'irai maintenant que je connais un peu tout, j'irai voir. Et t'as connu la Hi-Toy? La caméra Hi-Toy de PlayStation 2? Ah, c'était trop cher. Mec, ça fait tellement longtemps. Personne va voir les lives. Ah ouais. C'est horrible. Si, mais on va trouver des images. J'avais une caméra et donc en fait c'était la première Kinect, hein, c'était le tout premier, prototype de ce genre de choses. En fait t'avais un jeu où t'avais des bulles et tu devais faire ça pour enlever les bulles, t'avais des singes, tu devais les taper et tout. Enfin, c'est incroyable, mais c'était génial. Ça marchait. Alors après dans mes souvenirs ça marchait de ouf. Après, pas sûr que si on recommence maintenant ça marche bien, mais dans mes souvenirs ça marchait de ouf. Je te propose de t'installer, on va passer au gaming. Ah, c'est là, c'est ce pourquoi je suis là. Ouais, alors attention, il n'y a pas forcément tous les jeux. Ok, ah bah je suis déçu du coup. Bon bah on arrête, c'est fini. Allez. Merci beaucoup, laissez un petit pouce bleu, un commentaire. Ah la petite vanne qu'on apprécie. Oh, toujours la vanne de l'outro. Donc voilà, donc tu as toutes les générations de consoles et dedans t'as une sélection. Il faut choisir des jeux les plus mythiques. Pour le moment il faudra en choisir une. Mec, c'est dur. Et tu vas choisir un jeu. Tu sais quoi, je te laisse choisir entre PS2 et Xbox 360. Je dirais PS2, ouais. PS2 et ça Xbox, peut être sympa. C'est un peu plus récent. Et bah je te laisse regarder du coup dans ces jeux là. Donc quand il y a des jeux qui te parlent, tu peux les sortir, les montrer. Tout va me parler, c'est incroyable, genre rien que ça. Ah ça tu sors. Mec, Star Wars, la revanche des Sith, incroyable. Star Wars forcément. Celui-là tu l'as fait du coup. Celui-là j'ai fait, mais ça par contre, alors ça me parle beaucoup plus déjà. Prince of Persia, le premier sur PS2, qui n'est pas le premier Prince of Persia. Ah ouais? Oui, c'est vrai que c'est un jeu qui est beaucoup plus rétro, je crois, non? Ouais, c'est un jeu qui a été fait sur PC, vraiment plateforme à l'ancienne. Il y avait un remake d'ailleurs. De celui-là? Ouais, c'est un jeu fabuleux. Ça t'a kiffé celui-là? Ah, mec, ouais, moi, ça, tu vas le faire le remake? Mais mec, de ouf. Ah ouais, c'est sûr. Sorti direct, gros, mais direct. Il y a trop de jeux, mais tu sais que je vais rester toute la journée ici, hein. Je ne peux pas ne pas. L'origine, moi, je veux connaître cette histoire. C'est incroyable. C'est le jeu de mon cœur, quoi, vraiment. Mais c'est le jeu qui m'a fait plonger dans les jeux vidéo. Ouais. Vraiment, c'est mon cousin. Mon cousin m'a beaucoup initié à beaucoup de jeux. Kingdom. Il s'appelle Antoine. Ah ouais, mais moi c'est pareil. Ah ouais? Moi c'est un peu pareil. Genre, je suis rentré dans sa chambre et je sais pas, tu sais, il y a des moments comme ça où t'es aspiré par un truc. Une révélation. Et vraiment, je regardais la télé, je dis, c'est quoi?
et tout, ça a l'air incroyable. Et donc, je trouve ça bizarre, je fais, attends, il y a Donald et Mickey. Mais mec, c'est en fait, puis... c'est ouf parce que les gens l'infantilisent beaucoup ce jeu. Bah oui, oui. Alors que mec, c'est super dur. Ah non, mais super à fond. Dur. Et lui, il jouait toujours à des jeux genre à Okami, des jeux un peu japonais, un peu différents, un peu difficiles. Donc ça m'intriguait. J'ai dit, putain, c'est marrant, il joue à ça, il y a Mickey et tout, c'est bizarre. Et d'un côté, il y a un côté un peu japonais et tout. Et vraiment, je regarde, je lis la notice et tout. Je fais, putain, c'est. Je sais pas, il y a un truc, mais c'est bizarre. Le jeu est très particulier. La fusion entre Final Fantasy et Disney est improbable. Surtout à cette époque-là, ça n'existait pas en fait. Bah non. Il n'y avait pas de fusion comme ça. T'as un gars, il se balade. Le pitch est ouf. T'as un gars, il se balade et il va dans le monde d'Aladin. Il fracasse des monstres pour libérer Jasmine. Ça n'a aucun sens, mais c'est génial. Est-ce que tu attends un petit remaster, un petit remake? J'aimerais trop. J'aimerais trop qu'il ne marche 4 moi. J'attends. Je sais pas s'il va en avoir un. Je suis pas sûr qu'il ait si bien marché que ça. Aux États-Unis, il a très très bien marché. Ah ouais. En Europe, un peu moins. C'est pour ça qu'on n'a pas eu de. Mais oui, c'est ça, il n'y avait pas de VF. Moi, j'étais en mode bas en fait. Parce que moi, Donald Renew qui fait la voix de Sora, qui est un ami que je salue, hein, qui est incroyable. Comment j'ai appris qu'il doublerait pas Kingdom Hearts 3, mec, ça m'a brisé le cœur. Et voilà, enfin, Kingdom Hearts, c'est une grosse pépite dans ma vie, quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, évidemment, je le prends aussi, hein, mais c'est mon Kingdom jeu préféré. Kingdom Hearts 2. C'est mon jeu préféré. Ah, tu préfères le 2 ou 1? Le 2, c'est mon préféré, ouais. Avec Pirates des Caraïbes, j'avais plusieurs mondes, il était vraiment beaucoup plus complet. Ça me parle aussi beaucoup. Star Wars Battlefront. Là, tu connais ça. J'ai vu la réaction. Il connaît. Alors ça, par contre, j'ai connu. Ça revient de Force Speed Carbon, mec. Le Carbon? Le Carbon, j'ai connu. Ouais, je sais qu'il y a Underground aussi qui est très beau et qui est juste ici. Hop. Qui est juste là, qui est sous blister même. Ah ouais. Wow. On voit qu'il y en a un qui veut pas oublier son jeu, quoi. J'ai beaucoup aimé Burnout aussi. Ah, parce ouais, que tu pouvais défoncer la voiture de l'autre. Oh, Burnout, c'est ça. T'avais des ralentis où t'explosais les trucs. Ah ouais, Burnout. Le 3. Oh, les takedowns, gros. En fait, quand tu défonçais une voiture, ça faisait takedown. Et c'était. Oh mec, c'était trop bien. Par contre, t'as clairement sorti tous les jeux, quoi. Ouais, j'ai sorti tout, hein, vraiment. Écoutez, bienvenue dans cette vidéo qui a duré 8 heures. Bah, clairement, là, il va falloir en choisir un. On choisisse un parmi tous. Et là, ça va être le moment délicat. Prince of Persia, j'aime beaucoup. C'est un truc qui m'a vraiment marqué. Ok, lequel, bah go Prince of Persia. Allez, vas-y, ça. Ah là là, cette musique, c'est fou. Et c'est là, c'était suspense. Là, tu sais pas. Tu savais pas trop si ça allait marcher ou pas, si ton jeu allait fonctionner. Yes. Et là, tu disais, c'est bon, je peux jouer. Oh là là. Ah ouais, ça commence. Ah, j'adore quand ça commence. Ouais, t'as vu, le menu est vraiment genre, mais tu sais, ça qui est cool, c'est ouf. Ah, mais c'est vrai que ça joue. Oh mec, t'es mal, comment se prend là. Mec, quand le personnage bouge, c'est mon vieux. En vrai, 2003. Mais en vrai, c'est pas moche. Hein. Non. Il y a un film aussi, Prince of Persia. Ouais. Ah, t'as bien aimé ça? Ouais, j'ai bien aimé. Ça n'a pas été super bien reçu. Hein. Après, je suis très bon public. Hein. Là, on attend la suite. Il va y avoir Division. Ok, cool. Sur Netflix. Hein. Sympa, ça. Ouais. C'est par un gros réalisateur. Okay. Qui a fait des gros films hollywoodiens. Bah écoute, je suis. D'ailleurs, il m'a fait un petit tweet. Ah ouais, à l'occasion. Vraiment. Ouais, parce que j'ai fait un clip pour Division. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et il a fait un truc et tout en mode putain, ça défonce et tout, c'est exactement ce qu'il faut faire. Non ah ouais, bah écoute, tu m'appelles, un message. Connaît, c'est le taf quoi. T'as besoin d'aide pour le script ou pourquoi le découpage, tu me dis. Ça marche. Waouh. Explosion. Avec le vas-y, cours sur le mur. Je crois que je peux pas encore. T'as quand même perdu de la vie en te tapant dans le mur. Ok, d'accord. Ah, il va falloir que tu montes là. J'attends que ça. J'attends que pouvoir courir sur le mur. J'avoue, c'est ça qui était ouf. C'est ça qui était incroyable. Bah c'est ça. Hein. Ah oui. Bah dans le mauvais sens du coup. Ah bah tu vas perdre masse vie. Non mais RIP. T'inquiète, là, regarde, je vais vraiment marcher comme ça jusqu'au bout. Et t'es en slow motion? Je suis en slow motion. Ah bah t'es mort. Non mais c'était pour montrer aux gens. En survie, t'as fait 5 secondes, bravo. Bah nickel, super, bah c'était une super émission en tout cas. Nickel. Ah, oui, c'est vrai que la petite transition du combat là comme ça, c'était génial. Ah les mouvements de caméra à Tarantino. Bah je vais lui casser la gueule hein, du coup. Oh là. Oui garçon. Oh là là oui. Là là, mais regarde-moi, ça il a rien pu faire. Oh il tombe dans le... Il a aspiré par le sol. On a vraiment pas de budget pour laisser les corps bons, hein, qu'est-ce qu'on fait? À cette époque, les dalles de béton aspiraient les cadavres. Ah putain, mais quelle époque formidable. Bah oui. Allez, vas-y, hop là. La fameuse époque où les soldats attendaient. Ouais, bah forcément, du coup, ils attendaient leur tour. Ah, mais il y avait une notion de l'honneur à ce moment-là. Ah, exactement. Il y avait une notion de l'honneur. Ah, attends, tapez pas dans le dos. Attends, je reviens. Ah, ils m'ont oublié par contre. Hein. Ah, c'est bon, il est là, c'est bon. Il s'est dit, bah c'est bon, il est mort. Ok, oh, c'est bon. Action. Ok, ça part. Et regarde ça. Hop là, disparition. Aspiration. Ah oui, c'est vrai que t'avais ce petit moment stylé où il était. Genre, à chaque fois que tu finis ton combat, il y a une petite cinématique. En fait, ça veut dire qu'il n'y a plus d'ennemis dans la zone. Si je me rappelle bien, ça veut dire qu'il n'y a plus d'ennemis dans la zone et que du coup, t'es tranquille, tu peux avancer. Ah. Et j'ai pas encore la dague, je peux pas encore jouer avec le temps. Tu vas récupérer. En fait, là, en gros, tu envahis une cité. En fait, dedans, ils ont un gros sablier qui s'appelle le sablier du temps. Ah oui, donc t'es un méchant en fait à la base. En fait, je suis un bâtard. Hein. Je suis vraiment un gros bâtard. Mais on n'est pas très gentil. Waouh.
Allez, et tu vas nous faire une petite course, voilà. Mais regarde-moi ça. Ouais, mais je trouve ça génial. C'était long. Mais tu sais que, ouais, tu sais où, parce que quand j'étais petit, du coup, bah t'essayais de faire pareil. Oui, bah, bah spoiler, oui. Ça marche pas. Hein. Ça marche pas du tout. On s'est cassé la gueule une paire de fois, mais bon. Bois de l'eau. On va boire de l'eau. Ah, je vais faire comme lui. Tu veux de l'eau? Avec plaisir. Petite musique orientale. Ouais, ça a beaucoup mieux. Ta vie, est-ce qu'elle a été... Ok, je peux courir sur les murs maintenant. Putain, mec, tente. Et elle était là, presque hors d'atteinte. Eh, la dague du temps, la fameuse dague du temps. Là, t'es venu pour ça, là, t'es venu pour la voler. Je suis venu pour ça, je suis venu pour la voler, avec le sablier juste en dessous. Et ça, c'est le sablier en dessous, d'accord. Ouais. Il y avait un vrai bail. Genre, il passe pas, là. Je peux pas le prendre, là. Mais non, je peux pas. Genre, là, il passe pas. Mais passe ton bras. Mais passe tout même, tout ton corps, il passe. T'es pas comment tout mon corps, il passe. Et là, tu sautes, tac, tac. Ah ouais, en fait, non, je savais pas. Dans ma tête, c'était plus compliqué. Oh, la gabriole. Il pète. Okay, voilà, voilà, oui, c'est ça qu'on veut. T'as le mec avec hein. des bras en béton armé, mon pote. Et là, voilà la fameuse dague. Ah, et là, du coup, il active. Et là, du coup, il active et hop, ça revient et il peut repartir. Et hop là. Oh, regarde. Que là, tu sautes. Ah, je vais mourir et hop là. Eh non. Ouah, c'était chaud. Je meurs pas. Génial, mec. En vrai, c'est génial. Et bah écoute, je pense qu'on a fait le tour de ce petit Prince of Persia. On a fait 2% du jeu. Ouais. C'est long. Mais franchement, c'est lourd. Le remake promet. J'ai trop kiffé. Très très du remake. J'ai trop kiffé. T'as raison, je suis curieux d'aller voir juste un petit coup d'œil. Bah peut-être après alors. Ah, peut-être après. Donc oui. On teste oui. Vas-y, tu peux regarder oui. On teste oui. Hop là. Putain, c'est lourd. Hop là. Voilà, c'est bon. Et bah écoute, monsieur, il y en a un déjà qui arrive. Et c'est le Zelda. C'est le premier Zelda que j'ai découvert. Ok. C'est Twilight Princess. Qui est incroyable. Ah, il est incroyable. Bien joué. C'est pas le meilleur pour moi, mais il est incroyable. Après, ouais, c'est pas le meilleur parce que t'as joué aux autres. Ouais, moi, j'ai pas joué aux autres. Moi, j'ai acheté la Wii pour ça. Pour Twilight Princess? Ouais. Ok. Je suis pas un très grand fan de Nintendo, mais vraiment, Zelda m'a eu quoi. Bah, en même temps. Zelda m'a eu et j'ai rien pu faire. Bon, bah. Voilà quoi. Est-ce qu'on peut vraiment passer à côté de ces deux mastodontes quoi? Ça oui. Mec, c'est. Ça pareil, Mario Kart c'est. Tu ne peux pas pas aimer Mario Kart? Tu connais un gars qui aime pas Mario Kart? En vrai, non. Alors, je connais des gens qui sont nuls à Mario Kart. Oui. Et qui n'aiment pas Mario Kart parce qu'ils sont nuls à Mario Kart. Parce qu'ils sont nuls. Notamment ma copine par exemple. Mais non, tu peux pas ne pas aimer le concept. Mais Wii Sport. Mec. Le bowling. Qui, franchement, actuellement, qui n'a pas joué à Wii Sport? Et t'étais plus quoi toi, tennis ou bowling? Moi j'étais plus tennis. Ouais. Avec mes potes, je trouvais ça grave drôle. Et le bowling, forcément. Franchement, c'est juste trop bien joué. Moi, si tu veux faire un Wii Sport, je peux pas dire, Nintendo, ils sont archi novateurs. Ils ont été très novateurs. Je le mets de côté. Est-ce qu'il y a d'autres trucs qui me parlent? Alors, c'est pas sur cette plateforme que je l'aurais vu, mais. Mais bon, forcément que j'utilise Black Ops avec le mode zombie. Ouais, je l'ai mis pour la Black Ops sur Wii. Sur Wii, je sais. Je me demande la tête qu'il doit avoir. Peut-être chaud pour faire un truc plus duo avec toi. Ouais. Soit un Mario Kart, soit un Wii Sport, soit un Mario Party, comme tu préfères. Moi, Wii Sport, je suis chaud. Hein. Allez, vas-y. Je trouve ça assez ouf. Allez, vas-y. Wii Sport. Ça va partir sur un petit Wii Sport. Allez, je vais t'enchaîner au tennis, mon gars. Alright. Oh là là. Alors, juste, est-ce que toi aussi, un jour, t'as découvert la supercherie parce que tu jouais à Wii Sport, t'étais tac, tac, comme ça, tu vois? Est-ce qu'un jour, t'as découvert que tu pouvais te mettre dans la main? Ah, bah ouais, bien sûr. Et du coup, tu perds tout le fun. Tu perds tout le fun. Tout le fun a disparu. Et moi, je me rappelle, je jouais toujours avec ma bande de potes. Et le jour où on a découvert ça, ça a cassé un truc. Ça a cassé un truc parce que avant, on s'est amusé, on rigolait. Bah ouais, c'est pas le même. Et là, c'était vraiment en mode tryhard, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on est? Alors, bowling ou tennis, t'es plus quoi, toi? Toi, je sens que t'es plus. En vrai, je pense qu'on peut faire les deux. Allez, c'est parti. On peut faire un petit tennis. Ça part. Alors, il faut savoir que j'ai acheté du coup la Wii d'occasion. Donc, on va voir. Ah, Hugo, t'as les nids qui sont déjà faits de base. Il y avait Tintin, il y avait Phil, Tonton. Bah, moi, je vais prendre Paul. Tu prends qui? Moi, je prends Papy. Ah ouais, vas-y. Moi, je prends clairement Papy. Hein. Je vais m'éloigner de toi un petit peu, c'est dangereux. C'est ça. Donc, on a pas prendre une droite, c'est sûr. Allez, c'est parti. Mec, ça fait tellement nostalgie, c'est fou. Allez, toi qui fais le service. Et je crois qu'il y avait un moyen de faire un. Oh! Facile. Attends, il faut que je revienne un petit peu dans le truc. Le smash. Après, je suis un papy aussi, regarde. Faut vraiment que j'essaie de faire le super service, mais. Ah oui, quand il va trop vite là. Ah, j'arrive plus. Oh. Hop là. Ah. Hop là. Ah. Oh non. Oui, mec, c'est terrible. C'est un sans faute qui est proposé par le joueur français. Mec, c'est terrible. Waouh. Ah, attends, dommage. Mais là, monsieur, est-ce que c'est vraiment ma faute, là? Dommage. Est-ce que c'est vraiment ma faute, là? Let's go. Oh là là. Je... Ah, mais c'est terrible, là! C'est d'une violence. Mais attends, mais c'est... Je me fais roster complètement. Ça bon match. Merci beaucoup. Allez, monsieur. Tu sais, il y a un truc qui s'appelle le karma. Ah ouais? Le karma ne se trompe jamais. Bah, on va voir ça, regarde. Le karma n'oublie jamais. Putain, j'arrive pas. Oh là là, elle est bien placée celle-là. Et oui. Ah mais pourquoi je suis nul comme ça là? Le petit revers, le petit revers, tac, regarde. Tu vas bien, on termine pas l'émission tant que j'ai pas gagné une partie. Ah, j'aimerais trop mettre un smash. Oh là 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 là.
Mec, je t'ai pas dit, c'est que j'ai passé des week-ends entiers sur Wii Sport. Hey, moi je voudrais me rapprendre à jouer alors que le mec hier il était toute la soirée sur Wii Sport avec sa meuf. C'est tout en fait, c'est ça. Allez, c'est parti. Oh, allez. Oh, c'est sauvé. Oh. Bah alors là, j'ai rien pu faire, hein. Franchement. Putain, j'ai chaud. Oh là là. Attends, j'ai tapé là. J'ai tapé. Est-ce que tu veux changer de manette pour faire l'engagement? Ouais, je pense, hein. C'est clairement la manette, je pense, qui bug à mon avis. Je pense que c'est la manette. Je pense que c'est la manette qui bug, ouais. Putain, c'est ouf. Oh, le smash. Mais, oh attends, mais attends, mais là, mais monsieur, je ne comprends pas comment il peut rater cette balle. Oui. Je ne comprends pas. Ah, tu tires trop tôt. Trop tôt. Tu tires très tôt. Essaye de tirer un poil plus tard. Tu mec, tires un peu tard, quoi. Mec, c'est que je suis débile parce que je regardais ton écran. Regarde ça. Bouh. Trop tôt, trop tôt. Voilà, les statistiques parlent d'eux-mêmes. Mais déjà, t'as bien remonté. T'as mis 30 points. Ça, je trouve ça très condescendant. Ah, t'as bien remonté. Et ça, tu vois, j'aurais préféré que tu dises rien. La souffrance est encore plus lourde. Après, j'ai jamais aimé Wii Sport. Hein. Vraiment. Mec, vraiment, moi, j'ai tennis, j'ai trop kiffé. Hein. Maxime. Oh, elle est trop belle. Ok, pour l'honneur. 40. Pour l'honneur, Maxime, tu peux le faire. Fuck. Concentration. Oh là là, la praline. Balle de match pour le joueur français Papy. Ouais, c'est... Oh oui. Mais Paul. Paul. Et voilà, je serai donc indétrônable sur le tennis. Après, j'ai toujours été meilleur au bowling. Moi, je vais choisir de changer. Hein. Moi, je crois que Tonton est pas mal. Moi, je vais prendre Tonton. Tonton, est tonton assez chaud. On est d'accord, on a bien senti Tonton. Tonton est assez tonton, chaud, il a gagné quelques médailles. Toi, tu prends qui? Et moi, je vais prendre Chippy. Chippy, ouais. Ah, hey, Tonton, record 148, si je peux me permettre. Ah ouais. Tonton, c'est ce qu'il fait. Tu peux te mettre debout, si tu veux. Écoute, je vais me mettre debout. Oula. Très bien. Non, si tu commences comme ça, tu te mets comme ça, okay, et schlack. En fait, bah, le bowling. En voilà. Fait. En fait, tu fais le en bowling. En fait, le bowling, quoi. Oh, y a pas d'envie dans le lancer. Wow, pas mal. Pas d'envie dans le lancer, pourtant, j'ai l'impression qu'il y a 8 quilles. Pas mal, ouais, pas mal. Si tu mets un strike, je pars de cette émission. D'accord. Écoute. Par contre, tu peux faire un spare. Faire un spare. Tu peux faire un spare. J'espère que tu vas le faire. Hein. J'espère. Oh. Allez, belle. Allez, go. Ah ok, il en reste une. Laisse Tonton faire, s'il te plaît. Laissez avant... Je vais te montrer comment on fait. Comment avantage comment Chippy. Tonton. Eh merde. Attends. 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 Non. Attends. Mais quoi? Mais tu vois, c'est un jeu de merde. N'importe quoi, le gars, il est comme ça à l'arrêt, il lance la boule. C'était une technique, une technique pour te déstabiliser. Ça n'a pas de sens. C'est comme ça qu'on fait chez les Tontons. Oh, j'ai complètement raté mon lancer, là. Bah non, je l'ai pas raté. Bah non, je l'ai pas raté, mon cher monsieur. En fait, il faut rater ses lancers. En fait, il faut pas rater ses lancers, c'est comme ça que ça marche, en fait. Tu feras gaffe, là, il y a un truc... Ah, il m'a poussé. Oh, le strike. Eh oui, monsieur, allez, ça dégage, y'a quoi? Est-ce que je t'ai aidé, ça? Y'a quoi? Y'a rien du tout. Est-ce que je t'ai aidé, ça? Pour papy, c'est pour papy. Très mauvais, très mauvaise course. Si je... Et pourtant, c'est un strike, monsieur! Ça n'a pas de sens. C'est un strike, y'a pas de sens, ça n'a pas de sens, tout a du sens. C'est pour papy que je l'ai fait, c'est pour papy que je l'ai fait. Y'a que des strikes, ça n'existe pas. Elle part. Oh non, mais comme tout à l'heure. Oh, attends, elle tombe! Oh non! Elle tombe. Elle est belle. Bravo, félicitations. Oh, alors tu vas te prendre un strike. Alors là, un strike. Ah merde. Attends. Putain, elle devait rebondir dessus, là. Ça, c'est dur, mais on va y aller en douceur. Le trottoir. Ah yes. Trop bien, okay. Elle était trop dure. Combien de points? 91 à 95. Les joueurs sont au coude à coude. Attention, il s'élance. Et... Ah ce sera... Oh, mais mec, comment mais c'était improbable. Ah, la drifter. Improbable. Il avait drifté. Mais non, elle est télécommandée, ta boule. Elle est télécommandée. Bah non. Eh, hey, on a 6 points d'écart. C'est terrible. Hein. Il y en a un qui se part, c'est fini. Hein. Il y en a un qui se part, c'est fini. Ouais, 6, c'est dur à rattraper quand même. Oh là 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 là, elle est pile au milieu. Oh non. Ça sera pas assez pour moi. C'est pas assez, il me faut plus. On a fait ce qu'on pouvait. Il me faut plus. Pouvait, malheureusement. 153. Ah, je n'ai plus le droit de jouer. C'est fini. Ah non, je pourrais pas. Je crois que c'est fini. S'il fait un strike. Oh, monsieur, on finit en beauté. En beauté, je vous l'ai dit. Si tu peux me permettre, la key n'est pas tombée. Elle est tombée. Ok, très bien. Mais tu rejoues? Bien sûr, je rejoue. Mais comment tu rejoues? Bien sûr, je rejoue. À quel moment tu rejoues? Zoucha. Je te finis sur un spare. Boum. Record. Et c'est le record 161. Ah, t'entends? Je crois que c'est une annonce SNCF. C'est le seul. Pour mon train.
Ah, c'est le Je vais y aller, du coup, ouais, c'est le train du Somme, exactement. Ah ouais. Donc, vas-y, hein. Bah, j'y vais, c'était sympa en tout cas. C'est sympa, Wisport. Bah, salut mec, hein. Allez, salut. Allez, ciao, je suis une merde, I guess. Eh, comme quoi, c'est quand même sympa, Wisport, mais ça crée des soucis aussi. Ça crée des conflits. Ouais. J'étais à ça, hein. À ça. Hein. Ouais. J'ai été ridiculisé au tennis. Jamais été très sportif dans ma vie, ça se voit. Bah, tu vois, je regrette pas toutes ces après-midi passées sur Wisport. Ça a eu, tu vois, en fait, c'était pour ce moment. C'était pour exactement, aujourd'hui. Exactement, c'était pour le que destin. Tu brilles. Et pour moi, c'est une très belle victoire parce que j'ai un adversaire vraiment, vraiment quali. Bah, pour le bowling ou pour le tennis? Pour le bowling, hein. Plus pour le bowling, on est d'accord. Ça, yes. Bon, et eh bien là oui, c'était très sympa, franchement. C'était très cool. Eh bien, nous allons passer au prochain jeu maintenant. Oh oh. T'as pas regardé PS1? J'ai pas regardé PS1, c'est vrai? Ouais. Eh ben écoute, montre-moi les petits jeux de PS1. Hop. Je te laisse regarder, alors, il y en a pas mal. Alors, il y en a peut-être que je connais, peut-être que je connais pas. Ici, nous avons tout ça. Ouais, les jeux Disney. Je connais de ouf, ça. Les jeux Disney, oh. Hercule, Tarzan. Oh mec, ça, gros, je l'ai pensé aussi, hein. Ah ouais? Ah ouais, mec, c'est terrible. Ah ouais, ça, je m'en souviens, mec. C'est incroyable parce que je me rappelle pas y jouer, mais je me rappelle du jeu, ouais. C'est rigolo. Ça, carrément. Et oh là là. Oh là là. Mais quoi? Oh mec, c'est terrible. Ah! Oh, c'est terrible. Les Razmoquettes! Mais comment je me rappelle de ce jeu, c'est ouf. C'est lequel? Les Razmoquettes font leur cinéma. Oh là là. Et en fait, il y a plusieurs zones de films. Ouais. Il y a l'espace, il y a les pirates et tout. Oh là là. J'étais tellement fan des Razmoquettes quand j'étais petit. Moi aussi, j'adorais les Razmoquettes. La binocle. Il y a Razbitume maintenant. Casse-bonbon. Casse-bonbon. Il y a Casse-bonbon, la binocle, il y a Couette-Couette. Avec Reptar et tout, mec, c'est trop bien. Faut alors, par vraiment, genre juste les Razmoquettes. Toi, tu le connais bien celui-là. De mes souvenirs, je okay. Pense bien le connaître. Parce que ça me ferait trop kiffer. Hercule, en vrai, je kifferais aussi. Hercule, c'est assez sympa. Mais j'avoue, ça me ferait kiffer de lancer la PS1. Écoute, je vois que tu as un petit intérêt pour les Razmoquettes. J'avoue. Partons pour les Razmoquettes. Et tu sais quoi, limite, je pense qu'on pourra lancer Hercule 5 minutes. Okay. Genre un peu voir. Ok, ok, ok. Vas-y, Razmoquettes. Let's go. Avec sa vraie musique, c'est trop bien. C'est incroyable. Oh, je me rappelle de lui. Ah oui, les parents. Les parents, la mère, et le grand-père. Regarde leur cou. Wow. Leur cou, mec, c'est et fou. C'est mal, il c'est dingue. Tiens, vas-y, mets-nous un petit... Peut-être une course ou... Allez, vas-y. Course, à présent, le film principal, course dans le désert. Touche R1. C'est un Mario Kart, on va dans R1. Ah ouais, c'est vraiment trop bien. Ça, quoi. Alors, c'est croix. À mon avis, c'est croix. Oh là là. Waouh. Oh, l'enfer. Oh, mec, c'est horrible. Waouh. C'est horrible. Wouhou. Oh là là, c'est un cauchemar. Ah, c'est un cauchemar, gros. La binocle. Non. Oh, eh, genre, toi, c'était pas passé okay. Dedans. Cool, un petit slip. Il m'a mis un slibar. Et ça dépasse, hein, oh, et voilà, ça passe dedans. C'est incontrôlable. Mec, il met des coups de pied, c'est pas possible. C'est incontrôlable. Oh là là. Waouh, on est à 3 FPS. C'est si moche, c'est affreux. Je pense que je vais perdre ma vue d'ici la fin de la course. Tu l'as dit, j'allais dans le turbo. Ouais, il y a des slibars partout, je suis dans le furieux. Oh là là, mec, wow. C'est horrible. Il y va. Au dernier virage. Le dernier virage pour la binocle. Oui, mon petit, vas-y. Fonce la binocle, oui. C'est terrible. Ah, t'étais juste derrière moi. J'étais juste derrière ah toi, ouais, tu mec. L'as pas dit, en fait, moi, je faisais mon petit 4, 6, 8. Il y avait trop de slip. Trop de slibards, mec, partout. Trop de slip partout. Ça a l'air pas mal, jeu ça. De pirate. Ah, on peut jouer à deux. En quête de trésor. Il faut récupérer le plus de pièces possible. Oh, merde. Ah oui, mais d'accord. Les contrôles. Waouh. C'est... Oh, mec, on contrôle un tank. Oh, je lui prends tout. C'est affreux. Je lui prends tout. C'est affreux. Ah. Oh, la musique. Oh, putain, Casse-bonbon, il est bourré. C'est terrible. Oui. Putain, ça a duré 10 secondes. Mais attends, il y a une manche 2. Messieurs, dames, soupe, la scène de lumière. Caméra. Action. Allez, Casse-bonbon. Ah ouais, là, je vais me faire exploser. Oh, regarde-moi tout cet argent, Casse-bonbon. Waouh. Hop là, la 15e pièce pour le joueur français. Ça demande tellement de concentration. Je laisse tomber. Oh là là. Je ne peux rien faire. J'ai l'impression que tu es mauvais. Je suis le numéro. Le numéro. Je suis le meilleur. t'as vu assez des Razmoquettes? Ah ouais, là j'en ai vu assez. Chevauché. Je sais pas qu'on fasse un let's play complet. Oh non, ça va aller. Est-ce qu'on partirait sur Hercule? Alright, on peut ouais, on peut lancer un petit Hercule vite fait. Allez, ça part. Un jeu solo. Un jeu solo, et du coup on est sur les fameux jeux Disney, il y en avait pas mal sur PlayStation, ouais, il y avait moi, Tarzan. J'ai des bons souvenirs. Hein. Ouais, et ça c'est un sujet, c'est un super jeu. Hercule. Disney. T'as la musique. Ah oui. C'est marrant, il a même. Tu es prêt avec le speedrun le jeu ou pas? On va voir si c'était chaud. Oh waouh. C'est ça mec, c'est incroyable. Ah mais normalement il est pas comme ça le jeu, t'as un 2D de côté. Mais t'as différents niveaux. D'accord. T'as différents niveaux. Et ce niveau là c'est ça, c'est une course. Oh là là, je vais mourir mec, je vais mourir. Putain, ça. Mais comment j'esquive tout le monde? Ah c'est bien. C'est super difficile en vrai. Élixir. Élixir. À droite, t'as une lettre. Ah, t'as pas pris l'élixir. C'était... Aïe, 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 aïe.
Mais j'ai raté. Oh là, t'as tout raté. Mais mec, j'ai raté ça aussi. Ah, mais tu prends le villageois. C'est la débandade. C'est un cauchemar. Meurs en héros. Oh oh. Oh. Je peux sauter aussi. Sauvetage. Mec, c'était complètement. Attention! Wouh! Je récupère un truc ici, là, c'est quoi ça? Ah bah. Oh, je garde tout! Oh, j'ai un élixir! Oh, le cheval! Oh merde. Oh, putain, je pensais que je pouvais exploser le cheval. On ne reconnaît même pas Hercule tellement il y a de pixels. Oh, ah voilà, c'est beau comme ça, c'est bien coloré. Alors, je peux soit taper comme ça avec un super uppercut. Ça je peux, hop là, la patate. Des grosses patates sa mère, genre la chèvre. La chèvre. Voilà, ta gueule la chèvre, hop là, ça dégage, tu vois, la peur de mon charisme. Voilà, défonce-la. Je fais des grands sauts par contre, hein. Je suis sur la lune. Waouh. Ah par contre, ouais, on est Hercule, hein. Oh, c'est pas des lol. On est Hercule à un moment, bon. Sacré couteau. Bah, un petit couteau suisse, hein, une bonne qualité. C'est un peu long quand même. J'ai quand même l'impression que ça ne se casse pas, quoi. One eternity later. Allez. Oh, t'es bon. T'as fait comment? Bah, je l'ai cassé le caillou. Eh, des chemins! Fallait... Eh, voilà. Ah, voilà! Des chemins! Donc, il fallait vraiment tout casser. Il fallait vraiment le défoncer pendant une demi-heure. Quoi. D'accord, ok. Super. C'est ce petit bonhomme bleu. Ah! Oh. Enfin, vraiment, laisse-moi le temps d'arriver, non? Le bandit! L'oiseau! Nice. Le dandy! Oh, et ça va je mourir. Je vais mourir. Ok, non, ça va. Et non. Non, les gars! Non! Non! Mourir! Non! Non, l'épée de feu! C'est l'épée de feu devant l'épée de feu. Bon, c'était Hercule. C'était drôle, hein, Hercule, hein? Ouais, bon. On est sur la fin de l'épisode, j'espère que ça t'a plu. Ces petits retours en enfance. Non, c'était pas ouf. Non? Bon, bah, alors j'y vais. Nickel, allez. Merci beaucoup. Ouais, bah, non, c'était très très cool. N'oublie pas ton. Tu as gagné un pins. Mon petit pins, c'est vrai, parce que je t'ai explosé au tennis. Exactement. Yes. Mais non, mais merci beaucoup de l'invitation. Bah ouais, merci à toi d'être passé, j'espère que ça t'a plu. Bah, c'était trop bien. En vrai, gros shot de nostalgie. Hein. Messieurs, dames, c'est la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Ouais. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu et puis à vous abonner, bien évidemment, à la GTV. Oui. Et on vous retrouve pour le prochain épisode. À bientôt. Ciao.